entre les voisins. Je vous rappelle que nous devons créer le loup-garou. Affreux et très méchant, et plus fort que tout pour nous défendre contre les gentils. Alors, qu'allons-nous mettre dans le chaudron? Moi j'ai de la bave de crapaud. Oh, voyons, on a déjà utilisé ça des dizaines de fois. Moi, je propose un œil de vautour. Un œil de vautour? Bof, quoi d'autre? Une patte d'araignée volée. Une patte d'araignée volée, n'importe quoi. Venin de serpent. Du venin de serpent, encore plus pire. Une aile de chauve-souris. De la poudre de cafard. De la poudre de cafard. Stop, mademoiselle. Vous ne faites aucun effort. Comment voulez-vous faire du nouveau avec des choses aussi banales? Fouillez dans vos sacs, cherchez dans vos hideuses têtes de sorcière et tâchez de trouver quelque chose de bien heureux. Ah, moi j'ai une chose extraordinaire. Un œuf de lapin. Un œuf de lapin? Très bien, mettez-le dans le chaudron pour que le loup-garou ait de longues oreilles noires. Voilà. Moi, j'ai des plumes de requin. Qu'est-ce que vous en dites? Des plumes de requin? Mettez-le dans le chaudron. Cela donnera au loup-garou des ailes noires et longues. Devinez ce que j'ai dans mon flacon. Ce n'est pas de l'eau, non, non, non. Ce n'est pas de l'alcool, non, non, non. C'est du jus de caillou. Du jus de caillou? Mettez-le dans le chaudron pour que le sang du loup-garou soit gris et froid comme la pierre. Quant à moi, j'ai déniché quelques dents de poulet. Ça peut être utile. Des dents de poulet? Mettez-le dans le chaudron pour que le loup-garou ait des crocs longs comme des défenses d'éléments. Moi, j'ai trouvé un squelette de verre de terre, mais il a un très bon état. Un squelette de verre de terre? Voilà qui est admirable. Mettez-le dans le chaudron pour que le loup-garou ait des os mous et visqueux comme des nids. Mais il me semble que cela manque d'assaisonnement. Qui n'a rien encore proposé? Tiens, toi, petite horreur, n'aurais-tu pas quelques épices dans ta réserve? Oui, oui, justement. Et de la poudre de pluie acide. C'est assez relevé, je crois. Fort bien. De la poudre de pluie acide. Mettez-le dans le chaudron. Mais maintenant, qui va mélanger? Moi. Plaisantez, ce rôle me revient, n'oubliez pas que je suis la sorcière chef. Vous allez chanter, allez-y. Qui se cache, la la la?